tout s'est passé comme prévu. Ça recommence comme avant. Ma journée commence avec la respiration de la parole de Dieu. Pour passer une bonne journée, appelez au numéro 213-493-0167, 213-493-0167. Bonne journée. Cordial salut à vous tous, ici Emmanuel et Zeno Restin qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ma journée. Nous sommes le lundi 16 décembre 2013. Voici la parole de Dieu pour aujourd'hui. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Eh bien, cette bonne nouvelle, nous la trouvons dans la Bible, qui est la parole de Dieu d'ores et déjà. Je vous souhaite un joyeux Noël et une heureuse année nouvelle sur les ondes de la radio Respiration FM. Nous sommes là jusqu'à 1h, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour vous servir live sur le web. Si vous écoutez Radio Respiration FM présentement, n'hésitez pas à partager le lien de la radio. C'est le www.respirationplus.com. www.respirationplus.com. Eh bien, il est de bon ton que vous écoutiez pour cette saison des chansons de Noël. La raison pour laquelle, la première note, c'est Avalon qui nous l'apporte. Joy to the World! And the promise that is born today. Won't you look?
c'est sur les ondes de la radio Respiration FM à la une de l'actualité mondiale. Aujourd'hui, aux États-Unis, Hollywood au secours des prisonniers de Guantanamo. En Haïti, énergie électrique, réduction majeure des heures d'alimentation à Port-au-Prince par l'EDH cette semaine. Nucléaire iranien, Téhéran exprime son mécontentement à Washington. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, gardez l'antenne. Cette idée et d'autres seront développées juste après la réflexion et prière du jour. I would do good. Evil is always present with me. Oh, wretched man that I am. Who will free me from this body of death? Thanks be to God through Christ Jesus. I'm ready for the fight of my life. Start the record. Voici sa parole pour aujourd'hui. Lundi 16 décembre. Faites un examen de santé spirituelle. Jésus connaissait leurs pensées. Luc chapitre 11 verset 17. Examinez enfin les trois points suivants. Premièrement, quelle est votre capacité à pardonner? Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Colossiens chapitre 3, versets 13 à 15. Pardonnez-vous rapidement à celui qui vous a blessé. Essayez-vous de résoudre les conflits rapidement. Gardez-vous longtemps rancune. Deuxièmement, êtes-vous prêt à gagner des âmes à Christ? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Vous sentez-vous concerné par les âmes perdues? Saisissez-vous toutes les occasions possibles pour témoigner de votre foi? Votre vie reflète-t-elle vos propos? Troisièmement, quelle est la profondeur de votre vie de prière? Recherchez le Seigneur et sa force, cherchez continuellement sa face. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 11. Priez-vous régulièrement? Priez-vous avec fidélité pour les besoins des autres? Avez-vous appris à prier avec foi, proclamant sa parole, persuadé qu'il va agir avec puissance dans votre vie et celle de vos proches? Voyez-vous les fruits de vos prières? Jouissez-vous d'une plus grande intimité avec le Seigneur comme résultat de votre fidélité dans la prière? Si vous voulez vraiment voir de profonds changements dans votre vie, vous développer spirituellement et devenir de plus en plus semblable à Jésus, approchez-vous du Seigneur aujourd'hui et dites-lui « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume chapitre 139, versets 23 et 24. Ce texte est extrait d'une brochure trimestrielle disponible gratuitement en vous connectant au www.saparole.com ou en appelant aux...
êtes branché sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection. Maintenant, un moment de prière. Ô Dieu notre Père, nous te remercions pour cette nuit que tu nous as permise de passer sous ta divine protection. Maintenant, cette journée a déjà commencé. Nous étions à travers les rues, amenant nos enfants à l'école, allant au travail, allant à l'université. Nous étions dans les différentes avenues de la société mondiale. Et nous sommes encore dans ces différentes avenues. La raison pour laquelle nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit parmi nous. Nous réclamons la présence des anges protecteurs parmi nous, comme tu l'as dit dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du terreau repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Nous remettons entre tes mains nos familles, spécialement notre sœur bien-aimée Lancy qui porte un enfant. Permet qu'elle puisse avoir une bonne couche. Nous te prions pour le frère Alizé qui a sa mère qui part, n'est-ce pas, pour l'au-delà. Te demandons, Seigneur, de fortifier notre frère bien-aimé Alizé et permet qu'il puisse retrouver la joie du Seigneur. Nous te prions ce soir, ce matin, pour tout ce que tu vas faire pour nous au cours de cette journée. Nous comptons sur toi. Nos douleurs, nous te demandons, Seigneur, de les disparaître parmi nous. Nos souffrances, nos maladies, nous te demandons, Seigneur, de les bousculer parce que ta main est guérissante. Reste avec nous tout au cours de cette journée. Entre tes mains, nous remettons nos supporters. La première église baptiste de Port-au-Prince, l'église évangélique baptiste d'Homestead, l'église méthodiste de Leisure City et d'autres supporters qui viendront sous peu dans notre équipe. Nous te prions pour le frère Jacques Norcius, la sœur Shankis Dolce et tous les amis qui écoutent la radio sur le web. Entre tes mains, nous remettons entre tes mains le pasteur Fan Lomeus. Reste avec nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était un plaisir de vous avoir à la prière du jour. Si vous voulez, si vous avez, disons mieux, des requêtes de prière, n'hésitez pas à nous écrire à respirationfm@gmail.com. respirationfm@gmail.com. Dans un instant, l'actualité mondiale. Qui a fait les cieux?
Maintenant, l'actualité mondiale sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection. Cité du Vatican, pris à partie par certains ultra-conservateurs américains, le pape François Ier s'est défendu dimanche 15 décembre d'être marxiste dans une interview accordée au quotidien italien La Stampa. Fin novembre, il avait publié une exhortation apostolique Evangelii Gaudium dans laquelle, fidèle à son image de défenseur des pauvres, il dénonçait de manière la dictature d'un marché implacable et culture du déchet. Wo Lembo, un animateur de radio américain conservateur, méthodiste très écouté, a qualifié ce texte de marxisme pur. Un membre du Tea Party, Jonathan Mosley, a jugé utile de préciser que selon lui, Jésus était un capitaliste prêchant la responsabilité personnelle, pas un socialiste. Un autre commentateur de la chaîne conservatrice Fox, Stuart Varney, de religion anglicane, a lui accusé le pape d'être un tenant du néo-socialisme. Aux États-Unis, les accusés du 11 septembre à Guantanamo ont demandé la projection du début du film Zero Dark Thirty, réclamant d'obtenir les mêmes informations que les producteurs d'Hollywood, une requête qui sera examinée cette semaine devant le tribunal militaire américain de Guantanamo lors d'une nouvelle série d'audiences préliminaires qui s'ouvre lundi devant la justice militaire d'exception. Les parties devraient se pencher notamment sur cette requête déposée en juillet par l'avocat James Connell. À ce stade, nous voulons juste obtenir les mêmes éléments qu'ils ont donnés à Hollywood, a déclaré le défenseur du Pakistanais Ali Abdalaziz Ali, Ali Amar al-Balouchi. Amar al-Balouchi, neveu du cerveau présumé du 11 septembre, Khaled Sheikh Mohamed, a été identifié dans A Zero Dark Thirty comme le détenu soumis à des actes de torture dans une prison secrète de la CIA. Son recours auprès du juge militaire James Paul a été rejoint par ses quatre co-accusés, dont son oncle. Sa requête de 418 pages, publiée depuis août sur le site des commissions militaires, comprend des dizaines d'extraits et des courriels de la réalisatrice du film Catherine Bigelow et du scénariste Mark Boral. L'organisation judiciaire Watch avait relevé que l'administration Obama avait donné aux réalisateurs d'Hollywood accès inhabituel à des renseignements classifiés, y compris le nom d'agent de la CIA impliqué dans le raid contre le Ben Laden. En Haïti, des coupures d'électricité motivées par les travaux de réhabilitation de la centrale Peligre sont programmées pour ce lundi 16 décembre et demain mardi 17 décembre dans la matinée par l'électricité d'Haïti EDH dans la zone métropolitaine. Ces coupures, informent l'EDH dans une note de presse, sont programmées afin de faciliter les travaux d'isolement complet du groupe P3 de Peligre pour sa pleine réhabilitation. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohamed Javad Zarif a fait part à son homologue américain John Kerry de son mécontentement après la décision de Washington d'élargir sa liste noire contre l'Iran, ont indiqué lundi les médias iraniens. L'inscription jeudi d'une dizaine de noms sur la liste des entreprises et individus soupçonnés de violer les sanctions commerciales contre l'Iran a provoqué la suspension des discussions techniques à Vienne entre l'Iran et le groupe du 5 plus Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne. Enfin, en Afrique du Sud, après 10 jours d'hommage planétaire et de deuil national, la journée de la réconciliation fériée en Afrique du Sud était encore dédiée lundi à Nelson Mandela avec l'inauguration d'une statue colossale au siège de la présidence, 9 mètres de haut, 4,5 tonnes de bronze. La statue est présentée comme la plus grande au monde du Nobel de la paix qui se tient souriant, les bras largement ouverts
sur les pelouses de l'Union Building à Pretoria. De nombreuses statues de Mandela le représentent, le poing levé, en train de crier à Mandela pouvoir, en référence à la lutte contre l'apartheid, a souligné le président sud-africain Jacob Zuma. C'était un coup d'œil sur l'actualité mondiale, mesdames, mademoiselles et messieurs. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration. Dans un instant, la chanson du jour. Votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. La chanson du jour, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est Fabrice Caspar qui nous la porte. C'est Noël. D'ores et déjà, Radio Respiration, on vous souhaite un joyeux Noël, une heureuse année nouvelle. Plus haut des cieux.
ce bon Jésus, les ondes de la radio Respiration FM. Si vous avez maintenant des souhaits, si vous voulez souhaiter un joyeux Noël et une heureuse année nouvelle à vos amis, appelez-nous au 786-414-6878. 786-414-6878. Appelez-nous maintenant. Nous l'avons dit tantôt, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous écoutez Radio Respiration FM, vous pouvez chatter avec nous maintenant live sur notre page. Oui, vos souhaits, nous les attendons maintenant.
jamais perdument cette chanson de Mary Mary qui réitère notre attention sur le credo. I'm a believer. Une jolie chanson pour vous souhaiter Merry Christmas and Happy New Year. Pick up your phone now and call us. You are listening Radio Respiration FM. Our phone number is 786-414-6878. Appelez-nous maintenant au numéro 786-414-6878. Let me hear you make some Holy Ghost crazy noise right now. Let me hear. Come on. Come on, Zion. Clap those hands with me. Come on, come on. All God's people. Come on, come on, Mike. This. Come on. Here we go. The angel.
C'est votre station de prédilection, Radio Respiration FM. La prochaine notion aux ondes avec Jason Mighty, elle commence déjà. Alléluia! Say hi.
yet don't look like me. Excuse the please, don't wanna cease to worship in the highest degree. Excuse the please. La voix de Tabitha Lemaire, je veux te louer Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi au cours de l'année 2013. Une jolie chanson. Yeah.
Juste après cette note de Toby Mac et Kirk Franklin, vous allez écouter à travers la Bible dans la langue française. Gardez l'antenne. I'm trying to get somewhere that's real and pure and true and eternal. Toby, can you go with your boy? Let's go. Father God, I am clay in your hands. Help me to stay that way through all life's demands. Cause they chip and they nag and they pull at me. And every little thing I make up my mind to be. Like I'ma be a daddy who's in the mix. And I'ma be a husband who stays legit. And I pray that I'm an artist to rise above. The road that is wide and filled with self-love. Everything that I see draws me. Though it's only in you that I can truly see that it's a feast full of eyes, a low blow to purpose. And I'm a little kid at a three-ring circus. I don't wanna gain the whole world and lose my soul. Flashes. Say they think that it's you, but they don't know that who you are is not what you do. True, we get it twisted when we peek at the charts. Yo, before we part from the start, where's your heart? You a pimp? Hustler? Tell me what's your title? America has no more stars, now we call them idols. You said idol, while we teach prosperity. The first thing to prosper should be inside me. Not because of 22s on the range, but Christ came in range. We said yes, now we change. Not the same, even though I met a fall. Since I got that call, no more Saul, now I'm all. Yep. Sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de présélection. Si vous voulez supporter Radio Respiration FM, voici notre adresse, c'est PO Box 343749 Florida City FL 33034. PO Box 343749 Florida City
FL3304. Ou du moins, appelez-nous pour vos transferts et pour vos dons. Et c'est le 786-414-6878. Ou écrivez-nous à respirationfm@gmail.com. respirationfm@gmail.com. Je vous rappelle notre adresse. C'est PO Box 343749 Florida City. FL33034 PO Box 343749 Florida City. FL33034. Dans un instant, vous allez écouter à travers la Bible sur cette longueur d'onde. Que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Écoutez Radio Respiration FM. When I would do good, evil is always present with me. Oh, wretched man that I am, who will free me from this body of death? Thanks be to God through Christ Jesus. I'm ready for the fight of my life. Start the record. Radio Transmondiale a présenté à travers la Bible. À travers la Bible, c'est une série études bibliques que Dr. G. Vernon Magui t'a préparé pour aider à comprendre plus bien la vérité qui gagne dans la Bible qui c'est parole mon Dieu. Présentateur, Pasteur Storly Michel. What more can he say than to you he had said to you who for refuge to Jesus. Content rencontré, on en parlera maintenant pour journée. La petite dit de Corinthiens chapitre 8, verset 8, arrivé dans de Corinthiens chapitre 9, verset 5. Tout s'est passé comme prévu. Ça recommence comme avant. Ma journée commence avec la respiration de la parole de Dieu.
Pour passer une bonne journée, appelez au numéro 213 493 0167, 213 493 0167. Bonne journée. Chacun d'entre nous établit une hiérarchie de valeurs en fonction de nombreux paramètres. On est obligé d'agir de cette manière afin de gérer sa vie le mieux possible et d'organiser ses priorités. Après s'être levé le matin, la plupart des gens partent travailler. C'est comme ça. Ceci dit, à notre époque, nous disposons de beaucoup de temps libre, ce qui me permet de choisir mes loisirs en fonction de ce qui m'intéresse. Ce phénomène est relativement nouveau. Si nous remontons au début du christianisme, la culture païenne de l'Empire romain dictait tous les comportements des habitants en fonction de leur classe sociale. Dans ces conditions, ceux qui devenaient croyants se sentaient en porte-à-faux, coincés entre leur ancien mode de vie et leurs nouvelles valeurs. C'est pour cela que les croyants de Corinthe ont envoyé une lettre à Paul avec plusieurs questions relatives à leur nouvel état, auxquelles l'apôtre répond. Je continue à lire dans le chapitre 7 de sa première épître aux Corinthiens. Que chacun demeure dans la situation qui était la sienne lorsque Dieu l'a appelé. Étais-tu esclave lorsque Dieu t'a appelé? Ne te fais pas de soucis à ce sujet. Mais si tu peux devenir libre, alors profites-en. Versets 20 à 21. Selon l'estimation des spécialistes, il y avait environ 400 000 esclaves à Corinthe au temps de Paul. L'Église devait donc en compter un nombre important. Dans le monde gréco-romain, l'esclave n'avait pas de statut juridique, mais sa situation n'était pas aussi figée qu'elle l'a été à d'autres époques. Si effectivement, certains étaient maltraités, d'autres avaient des responsabilités importantes avec des privilèges. Lorsqu'un esclave était libéré et devenait affranchi, la plupart du temps, il restait au service de son ancien maître en tant que serviteur rémunéré. Paul enseigne que la situation professionnelle d'un chrétien est une question qui a relativement peu de conséquences. S'il peut grimper l'échelle sociale, tant mieux. Sinon, il n'y a pas lieu d'en faire un drame. La conversion à Jésus-Christ altère radicalement la relation spirituelle d'une personne, mais n'a pas à occasionner de bouleversement dans les autres domaines de la vie tant que la morale reste sauve. Je continue. Car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur, et de même, l'homme libre que Dieu a appelé est un esclave du Christ. C'est à un grand prix que vous avez été racheté. Alors, ne devenez pas esclave des hommes. Donc, frères, que chacun reste devant Dieu dans la situation où il était lorsque Dieu l'a appelé à venir à lui. Versets 22 à 24.
Encore une fois, Paul dit que le statut social ou domestique n'est pas l'essentiel dans la vie, et celui qui est esclave est davantage asservi dans sa tête que par des liens. Il n'y a donc pas lieu d'essayer de changer sa condition sociale coûte que coûte. Ce qui compte, c'est d'être fidèle à Dieu dans sa vocation, quelle qu'elle soit. Paul opère un recadrage à 180 degrés de la vision du monde qu'avaient les gens de son époque. Par la même occasion et en filigrane, il donne un grand coup de pied dans la fourmilière en s'attaquant à l'ordre établi par Rome et au fondement de l'esclavage. Paradoxalement, le chrétien qui a le statut d'esclave est en réalité libre devant Dieu. En effet, il a été délivré de la culpabilité du péché et a la liberté de mener une vie droite. Le citoyen romain qui devient croyant est appelé à devenir un disciple du Christ et à obéir à ses commandements. Il n'a donc plus le loisir de mener une vie débauchée comme les païens. Puisque les chrétiens ont été rachetés par Jésus-Christ, Paul les exhorte à ne pas devenir esclaves des hommes, c'est-à-dire à se soumettre à ceux qui prônent les philosophies humaines, que ce soit l'ascétisme ou le libertinage. Je continue. Pour ceux qui ne sont pas mariés, je n'ai pas d'indication expresse de la part du Seigneur, mais je leur donne mon avis comme celui d'un homme qui, par la grâce du Seigneur, est digne de confiance. À cause des détresses qui s'approchent, j'estime qu'il est bon pour chacun de demeurer comme il est. Versets 25 à 26. Décidément, Paul penchait plutôt pour le statu quo. Il considère la seconde question que lui avaient posée les Corinthiens. Les célibataires devaient-ils chercher à se marier? L'apôtre répond en prenant en compte les persécutions qui éclataient contre les chrétiens, souvent de façon imprévisible, ici et là dans l'Empire romain. Paul est très pratique. Quand il faut fuir au plus vite, il dit qu'il vaut mieux être seul qu'avoir le souci de mettre toute une famille à l'abri du danger. L'enseignement qu'il donne est donc lié aux circonstances et son application à d'autres situations et à d'autres époques doit tenir compte de ce contexte particulier. Je continue. As-tu une femme? Ne cherche pas à rompre. N'as-tu aucun engagement? Ne cherche pas de femme. Mais si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Ce n'est pas non plus un péché pour une jeune fille de se marier. Mais les gens mariés connaîtront bien des souffrances, et je voudrais vous les épargner. Versets 27 à 28. Si la pensée du martyr est terrible pour une personne seule, elle l'est doublement pour quiconque a un conjoint et des enfants. Dans ces conditions, ce n'est pas mal de se marier, mais il est beaucoup plus judicieux de rester célibataire. Lorsque Jésus a parlé des persécutions qui auront lieu à la fin des temps, il a dit, et je le cite, « que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. » Fin de citation. Il va sans dire qu'une femme qui porte un enfant, que ce soit dans son ventre ou dans ses bras, n'est pas en état de s'enfuir à toute vitesse si les circonstances le demandent. Je continue le texte. Je vous assure, frères, le temps est limité, que désormais ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas. Car le présent ordre des choses va vers sa fin. Versets 29 à 31. Paul analyse la situation présente des Corinthiens prophétiquement à la lumière de l'avenir. Ce n'est pas qu'il le connaît avec précision, l'avenir, mais tels les animaux avant un cataclysme, il sent que des événements terribles se préparent. La proximité de grands chamboulements relativise toutes les affaires du monde présent. En effet, dans une quinzaine d'années à peine, l'Empire romain allait être secoué par une guerre civile
avec la rébellion des Juifs contre César et la destruction de Jérusalem par le général Titus. Cet événement allait profondément marquer non seulement les Juifs, mais aussi les chrétiens qui allaient être sévèrement persécutés par l'empereur Néron. L'apôtre écrit donc que le croyant doit se conduire comme un citoyen du ciel. Cela veut dire que ceux qui ont une famille ne doivent pas se donner corps et âme à elle, que ceux qui sont dans la peine considèrent que cette souffrance est très passagère et qu'il n'y a pas lieu de vider toutes les larmes de son corps, que ceux qui ont des raisons de se réjouir songent que leur bonheur sera de courte durée, car ils découvriront vite que nous vivons ici-bas dans une vallée de larmes, que ceux qui font des affaires dans le but de posséder toujours davantage n'y mettent pas tout leur cœur, car ils devront éventuellement tout laisser derrière eux. Voilà pourquoi l'apôtre exhorte ses lecteurs à se conduire comme des pèlerins sur cette terre et à veiller à ne pas s'incruster dans un monde qui est de toute façon temporaire. C'est aussi pour cela qu'il dit « le temps est limité ». Cette phrase exprime un peu sa philosophie de la vie. Ce détachement des poursuites de ce que ce siècle peut offrir devrait caractériser tous les chrétiens. Mais cette façon de vivre est évidemment plus difficile à réaliser pour ceux qui sont mariés, ont une famille avec des enfants. La note du loyer impayé et le petit dernier qui est malade sont des préoccupations sérieuses qui absorbent beaucoup d'énergie parce qu'elles demandent une attention immédiate. Paul n'est évidemment pas contre les devoirs conjugaux, bien au contraire. Un mari doit gérer son foyer en bon père de famille. L'apôtre demande plutôt un engagement de chacun, marié ou pas, à l'égard des choses éternelles et un détachement correspondant vis-à-vis des institutions et des valeurs qui constituent l'essentiel de ce monde qui passe. C'est aussi pour cela qu'il suggère sans cesse, tout au long de ce chapitre, que le célibat est un statut supérieur à celui du mariage. Je continue. C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire. Celui qui est marié s'occupe des affaires de ce monde pour plaire à sa femme et le voilà tiraillé de part et d'autre. De même, la veuve et la jeune fille n'ont pas d'autre souci que les intérêts du Seigneur, pas d'autre désir que de se dévouer à lui, corps et esprit. La femme mariée, elle, se préoccupe des affaires de ce monde pour plaire à son mari. Versets 32 à 34. Paul ne flotte pas sur un petit nuage rose. Il a l'esprit très pratique, comme je ne cesse de le dire. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a averti ses disciples de ne pas laisser l'inquiétude à l'égard des aspects matériels de cette vie les distraire de leur engagement envers Dieu. L'apôtre dit la même chose, mais il va sans dire que les commandements du Seigneur sont plus faciles à suivre si on est célibataire. Tout le monde dispose de 24 heures, quel que soit son état marital. La personne mariée qui remplit consciencieusement ses devoirs est contrôlée par sa situation de famille. C'est la vie. Les conjoints doivent s'assurer que le ménage tourne sans encombre et gérer les conflits qui sont inévitables dès que plusieurs personnes vivent ensemble. Ils doivent également passer du temps seul à seul afin d'entretenir la flamme et consacrer beaucoup d'énergie à éduquer leurs enfants. En conséquence, leur emploi du temps est chargé et les heures libres rares. Par contraste, la vie du célibataire est bien plus simple car elle comporte beaucoup moins d'obligations, ce qui permet une consécration plus grande de son temps, de ses ressources et de toute sa personne au Seigneur. Il n'a pas changé des couches, joué au ballon avec son fils et travaillé de longues heures afin de pouvoir acheter une maison et une voiture qui puisse accommoder toute la famille. Je continue. Je dis cela dans votre intérêt et non pour vous tendre un piège, mais pour que vous meniez une vie bien ordonnée
et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Verset 35. Paul ne désire pas coincer les Corinthiens entre le marteau et l'enclume. D'un côté, l'ordre normal des choses est de se marier. Mais d'un autre, l'apôtre leur conseille de rester célibataire parce que cela lui semble être la meilleure course à suivre étant donné les circonstances présentes à Corinthe. Je continue. Si quelqu'un estime déshonorant pour sa fille vierge de dépasser l'âge convenable pour se marier et qu'il est de son devoir de père d'agir ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pèche pas, qu'on se marie. Mais celui qui a pris en lui-même une ferme résolution, sans y être contraint, mais dans la pleine possession de sa volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. En somme, celui qui donne sa fille vierge en mariage fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Versets 36 à 39. Paul donne ici un conseil à un père qui, selon la culture du premier siècle, avait un pouvoir quasi illimité dans les affaires touchant sa famille. C'est lui qui décidait si sa fille devait ou pas se marier. C'est un peu choquant pour nous aujourd'hui, mais les époques changent et les coutumes aussi. Les paroles de Paul me font penser au diacre Philippe dont l'histoire nous est racontée dans le livre des Actes. Je cite le passage. Nous nous sommes rendus à la maison de Philippe l'évangéliste. C'était l'un des sept hommes que l'on avait élu à Jérusalem et nous avons logé chez lui. Il avait quatre filles non mariées qui avaient le don de prophétie. Fin de citation. Ces filles n'étaient pas mariées, ce qui était un anachronisme, et assumaient un ministère très particulier. Le simple fait que le texte précise tout cela en peu de mots est une manière de dire en filigrane que ces quatre filles, ou leur père, avaient décidé qu'elles resteraient vierges afin de pratiquer leur don de prophétie sans avoir à s'encombrer d'une famille. Je finis ce chapitre. Un dernier mot. Une femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si le mari vient à mourir, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition, bien entendu, que ce soit avec un chrétien. Toutefois, à mon avis, elle sera plus heureuse si elle reste comme elle est. Et je pense, moi aussi, avoir l'Esprit de Dieu. Versets 39 à 40. Plutôt, Paul avait conseillé aux veufs et aux veuves de demeurer célibataires. Cependant, il avait alors reconnu que tous n'avaient pas ce don. Maintenant, il parle spécifiquement des veuves parce qu'il répond à une question précise que lui ont adressée les Corinthiens. La seule contrainte que l'apôtre impose à celles qui veulent se remarier est de choisir un croyant. Il n'a pas énoncé cette obligation jusqu'à présent parce qu'elle est évidente. Si la veuve respectait cette condition, elle pouvait épouser qui elle voulait. Ceci dit, et encore une fois, Paul ajoute qu'à son avis, il vaut mieux qu'elle reste seule. Il faut cependant relativiser ce que dit l'apôtre parce que son conseil s'applique aux Corinthiens en fonction des circonstances du moment. En effet, il conseille exactement l'inverse lorsqu'il écrit à son disciple Timothée. Je cite le passage. « C'est pourquoi je préfère honnêtement que les jeunes veuves se marient. » Qu'elles aient des enfants et tiennent bien leur ménage afin de ne pas prêter le flanc aux critiques de nos adversaires. Fin de citation. Dans ce chapitre, Paul a donc répondu à des questions spécifiques que les Corinthiens lui ont fait parvenir. La première d'entre elles concernait la sexualité et le mariage, un sujet toujours brûlant d'actualité. Dans leur situation nouvelle de chrétiens, les Corinthiens étaient perplexes. En effet, étant influencés par les croyances erronées de leur époque concernant le corps, ils se demandaient quelles étaient les conséquences de la foi en Jésus-Christ sur la vie familiale. Ils avaient plusieurs interrogations. Les croyants devraient-ils se dispenser des relations conjugales?
les veufs doivent-ils renoncer à se remarier? Et dans les couples mixtes, le croyant doit-il se séparer de son conjoint non chrétien? Dans un premier temps, la réponse de l'apôtre privilégie le mariage car c'était le projet originel du Créateur et la meilleure solution vis-à-vis de la tentation à l'immoralité. Il met également l'accent sur l'importance de la permanence du couple. On ne change pas de conjoint comme de voiture, ce qui semble être de mise aujourd'hui. Même dans un couple où la différence spirituelle est fondamentale, tout doit être fait pour en préserver l'intégrité. On peut imaginer des situations particulièrement dramatiques, comme par exemple un mari païen pur et dur qui fréquenterait les prostituées du temple d'Aphrodite de façon plutôt régulière alors que sa femme est à la maison à s'occuper du ménage et des enfants. Si l'apôtre a tout d'abord privilégié le mariage, dans un second temps, il l'a relativisé en rappelant que d'une part, le disciple du Christ connaîtra des persécutions et que d'autre part, il doit avant tout chercher à plaire au Seigneur. C'est ce qui doit guider le style de vie de tout croyant, qu'il soit marié ou célibataire, parce que sa destination finale, c'est la gloire éternelle dans le royaume des cieux. Pour nous aussi.
foi vient de ce qu'on entend. À l'écoute de votre foi, toutes les rubriques chrétiennes pour fortifier votre foi. Évangélisation. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous écoutez sur le web Radio Respiration FM. Décida de nous envoyer son fils. Et ce fut le premier Noël du monde.
partir des récits de la Nativité qui nous sont rapportés dans le Nouveau Testament, nous allons aujourd'hui nous introduire sans qu'on nous voie dans le palais du roi Hérode à Jérusalem. Nous nous cachons dans une encoignure, et de là nous ouvrons l'œil et nous prêtons l'oreille. La journée tire à sa fin, et Hérode, que je me représente, gros, gras, replet. Saviez-vous que cette expression qui fait sourire est dans la Bible? Eh bien oui, en Deutéronome 17, verset 15. Hérode donc se retire dans ses appartements privés après une journée bien remplie. Il a bien mangé, bien bu, ses joueurs de harpe l'ont accompagné dans sa sieste, il a rendu une visite de courtoisie à son épouse légitime, il s'est entretenu un peu plus longuement avec les autres, moins légitimes. Il a donné des ordres d'une voix autoritaire, ordres qui ont été exécutés à la lettre et sur le champ. Il a fait du bon travail, et la conscience en paix. Il peut maintenant se livrer à la méditation en toute tranquillité. Il sait qu'il est âgé et qu'il devra bientôt déposer la tente de cette vie, mais... comme la plupart des hommes, il n'a fait aucun préparatif sérieux pour le grand départ de l'éternité. Oh, bien sûr, il a la meilleure religion du monde de cette époque, celle révélée par Dieu à Moïse. Il assistait occasionnellement à quelques cérémonies, il marmonnait chaque soir avant de s'endormir une petite prière apprise par cœur, et c'était tout. Par contre, il méditait nombre de préparatifs pour cette terre qu'il allait pourtant devoir quitter. Il avait un fils qui devait lui succéder dans les affaires, et il tenait à assurer sa dynastie. Il échafaudait des plans pour qu'il règne sur de nombreux sujets. Hérode est brusquement tiré de ses méditations par un serviteur qui lui apporte les dernières nouvelles. Des gens venus d'Orient sont entrés dans la ville. Ils voyagent depuis longtemps, ils sont couverts de la poussière de la route car, disent-ils, une étoile mystérieuse apparue en Orient leur a révélé qu'en Israël, le roi des Juifs venait de naître et ils viennent lui rendre hommage. De toutes ces paroles, Hérode n'a retenu que celle-ci, le roi des Juifs qui vient de naître. Un roi qui ne serait pas son fils? Pas de sa lignée à lui, c'est un coup de tonnerre dans son ciel bleu. Au soir de la vie, Hérode est sidéré par l'ampleur du désastre qu'il atteint et le touche au cœur même de ses ambitions. Mais il se ressaisit rapidement. Il accorde sur l'heure une audience aux voyageurs venus de l'Est. Sous des dehors accueillants et intéressés, le vieux renard qu'il est se déguise en poule afin de mieux piller le poulailler. Et pourtant, quelques jours avant, hier peut-être, il était encore dans le temple de l'Éternel avec la foule, il s'inclinait en public devant Dieu, il donnait l'impression d'écouter attentivement la lecture de la loi. Tant que sa religion formaliste et traditionnelle ne lui demandait que des cérémonies extérieures, des génuflexions, des actes de présence aux grandes occasions, tout allait bien. Mais le jour où, en la personne de Jésus, l'Évangile croise son chemin, dérange ses plans, lui demande de détrôner son orgueil et d'introniser l'envoyé de Dieu, alors cet orgueil se rebiffe et éclate au grand jour. Le masque tombe, il est déterminé à tout briser sur son passage, même Dieu s'il le pouvait. Il y a des millions d'Hérodes aujourd'hui dans le monde. Tant que leur religion leur permet des compromis de conscience, une crèche à Noël avec un petit Jésus en sucre, un cierge qu'on allume à l'église de temps à autre, le portefeuille qui s'ouvre à l'occasion pour une bonne cause caritative ou paroissiale à grand spectacle, on peut alors compter sur eux. Mais le jour où le vrai Jésus, le Fils de Dieu, croise leur route, bouleverse leurs plans,
leur demande de dire comme Jean-Baptiste à propos du Christ, « Il faut qu'il croisse et que moi je diminue, alors là, rien ne va plus. » Lorsqu'il faut remplacer les cérémonies extérieures par une piété véritable, la religion d'un jour par celle de tous les jours, de quitter une majorité insouciante pour se mettre dans une minorité méprisée, autrement dit aller à contre-courant, c'est alors qu'on entend le « holà » d'Hérode, jusque-là, mais pas plus loin. Hérode fait appel à ces théologiens qui, honnêtement, rendons-leur cette justice, lui donne la confirmation de ce qu'il craint. Ils lisent le texte de la loi. « Oui, de toi, Bethléem, sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Hérode se fait alors mielleux avec les mages et avec ruse. Il s'entretient du divin enfant, mais pour le faire périr. Les mages, eux, divinement avertis des plans meurtriers du roi, ne revinrent pas vers lui comme prévu, mais s'en retournèrent en Orient par un autre chemin. Alors Hérode se mit dans une grande colère et se rendit coupable d'une horrible tuerie que l'histoire a flétrie du nom de massacre des innocents. Dans tout son territoire, il envoya tuer tous les petits enfants de moins de 2 ans. Mais cette folie meurtrière ne put empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Il n'arriva, Hérode, il n'arriva qu'à se retrancher de toute possibilité de salut, et peu de temps après, il mourait. Son âme quittait son corps et descendit dans le séjour des morts, où elle est encore au moment où je vous parle, et elle y restera jusqu'au jour où il sera traîné au grand jugement de Dieu, auquel personne n'échappe. Et là, assis sur le grand trône de l'univers, qui verra-t-il? Non plus le faible nourrisson de l'étable de Bethléem, mais celui entre les mains duquel le Père a remis tout jugement selon la vision que nous en donne l'Apocalypse au chapitre 1er, versets 13 à 16. Et je vous lis, « Je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme la neige, ses yeux sont comme une flamme de feu, ses pieds sont ardents comme du métal embrasé dans une fournaise, sa voix comme le bruit des grandes eaux. De sa bouche sort une épée aiguë à double tranchant, et son visage est comme le soleil quand il brille dans sa force. » Et avant que la sentence leur soit signifiée, tous les Hérodes du monde entendront ce jour-là, non plus les vagissements du nouveau-né de la crèche, mais le nom de Jésus proclamé à la face de tout l'univers, et, dit la Bible dans l'Épître aux Philippiens, à l'énoncé de ce nom, tout genou fléchira de tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est par avance ce qu'ont fait les mages, et nous sommes invités à leur ressembler en cette veille de Noël et à lui ouvrir le plus grand trésor du monde, c'est-à-dire notre cœur. Thank you.
après l'épisode de l'arrivée des mages devant Hérode à Jérusalem, nous allons quitter la capitale pour la bourgade toute proche de Bethléem, petite localité rurale dans les campagnes de Judée. Au bord de la route qui serpente entre les collines, une auberge offre un abri pour la nuit aux voyageurs à l'escarcelle bien remplie. Je prends la très grande liberté de rapporter la scène à la façon de l'hostellerie des trois Mesbas d'Alphonse Daudet. La cuisine y est bonne, l'aubergiste, je me le représente, la face rubiconte et ventripotent, comme il se doit. L'accueil est chaleureux, le service parfait. Par ces nuits fraîches qu'il fait bon à l'intérieur, où un feu de bois grésille dans la cheminée, un air de fête semble flotter dans la grande salle où les convives sont nombreux ce soir-là. Bref, les affaires vont bien. Décidément, cette semaine de recensement décrétée par l'empereur Auguste, qui fait voyager tout le monde, a du bon. Ah, voici qu'on frappe à la porte. Encore des clients. L'aubergiste se frotte les mains de contentement. D'un geste machinal, il tapote sa ceinture, rajuste son extérieur, affiche son sourire le plus accueillant qui va d'une oreille à l'autre, ouvre la porte et essaie de voir dans la nuit. Il entend la voix précipitée d'un homme qui demande une aide d'urgence pour sa femme qui déjà souffre des douleurs de l'enfantement. L'hôtelier, du regard, jauge les nouveaux venus. Joseph et Marie sont de la classe la plus humble. Ils sont mis plutôt pauvrement. Leur bourse doit être bien plate. Et puis, quel trouble fait que cet enfant qui va naître. Il regarde la femme et, voyant la souffrance qui se lit sur son visage, il comprend qu'il y a urgence. Joseph les supplie de les laisser entrer. Mais que diront les clients voyageurs qui n'aspirent qu'à passer une nuit tranquille? Et même si l'accouchement se passe bien, on entendra les vagissements du nouveau-né et lui ne sera pas payé de sa peine. Que va-t-il dire? L'air faussement navré, il dit « Je regrette beaucoup, mais on affiche complet ». Il voit une cruelle déception se marquer sur les traits de la jeune femme. Repris dans sa conscience, car c'est un honnête homme que cet aubergiste, il a un trait de lumière, son étable. Voilà qui sauve la situation et apaise sa conscience tout en lui permettant de croire qu'il a fait une bonne action. La voilà la solution, l'étable. Ça sent bien un peu. Mais de la paille dans une crèche et tout va s'arranger. Une mangeoire à bestiaux et de la paille pour le Fils de Dieu, le roi des rois. Quelle dérision! Dérision, ai-je dit? Pas tant que ça. Cet enfant qui vient au monde, n'est-il pas l'agneau de Dieu? Et où est la place d'un agneau, si ce n'est à l'étable? La scène que je viens de vous décrire avec, je l'admets, beaucoup de liberté et un peu de fantaisie, cette scène se passe tous les jours des milliers de fois. L'enfant de la crèche sous sa forme actuelle, c'est la bonne nouvelle qui dit qu'un sauveur nous est né et un fils nous est donné. C'est la grâce de Dieu qui se ferait un chemin dans la nuit sombre des péchés du monde et qui vient frapper à la porte de notre cœur pour venir naître en nous, y déloger le péché qui s'y trouve et nous apporter le pardon dont nous avons besoin et le bonheur par voie de conséquence. Mais parce que ce bonheur ne se présente pas à nous sous la forme que nous aurions désirée, à savoir l'opulence, les plaisirs, la popularité, les paillettes, les records à battre, mais sous une forme plus humble, plus pure, plus intérieure, nous aussi nous affichons complets, et nous disons que pour lui non plus, il n'y a pas de place dans l'hôtellerie de notre cœur. Nous ne voulons pas que Jésus devienne le trouble-fête d'une vie que nous voulons mener à notre guise.
Nous aimons mieux dormir sur l'oreiller d'une conscience pas très bien lavée, plutôt que de nous laisser éveiller au sentiment qu'elle a besoin d'un sérieux coup de balai. Nous préférons laisser notre âme se perdre et s'étouffer dans une atmosphère viciée par la pollution morale du péché, plutôt que de nous repentir, d'ouvrir toute grande la porte et de laisser entrer dans nos vies le visiteur divin et la bouffée vivifiante du Saint-Esprit. Nous disons non à l'Évangile de crainte de déplaire à nos amis, nos parents, nos supérieurs ou nos intérêts. Nous affichons complet quand nous disons que nous n'avons besoin de rien, alors qu'en réalité un grand vide habite notre cœur que rien ne comble entièrement. Nous savons pourtant que dans la vie tout passe, tout lasse, et parfois même tout casse. Mais il est une chose que nous aimons, c'est de paraître respectable. Ah ça oui. Nous avons autant de conscience que l'aubergiste. Il n'a pas voulu du Christ dans son salon, mais il lui a cédé son écurie. Comme lui, nous n'accordons à Christ aucun droit de visite, pas même un droit de regard dans nos vies, mais nous lui cédons volontiers un clou enfoncé dans le manteau de la cheminée où religieusement nous l'accrochons à une croix en lui disant « Jusque-là, Seigneur, d'accord, mais pas plus loin. » Ah, si cet aubergiste avait su qui il était, il lui aurait cédé sa propre chambre. S'il avait su, il aurait passé la plus belle nuit de sa vie à l'étable et sur la paille. Ah, mes amis, si vous saviez qui est Jésus, comme les mages, vous iriez l'adorer. Et l'adorer veut dire rendre hommage, expression dans laquelle on trouve rendre l'homme, ce qui revient à dire lui rendre l'homme, la femme, le jeune que vous êtes. Plus que l'or, l'encens et la myrrhe qu'ont donné les mages, c'est notre moi tout entier qu'il veut qu'on lui offre, dans la repentance de ne pas l'avoir fait plus tôt, et dans la foi qu'il acceptera le plus grand présent du monde, celui de notre cœur. Société de ce temps-là a dit non au don de Dieu. Nous avons vu qu'au travers de l'aubergiste, la classe moyenne de l'époque a accueilli le don de Dieu par un « il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie ». Le message sera donc présenté au berger qui représente la classe pauvre et laborieuse des petites gens du peuple. Je veux que vous vous représentiez la scène. C'est la plaine vallonnée de Bethléem sous la voûte étoilée. La nuit est claire et fraîche. Enveloppés dans leurs manteaux, des bergers rassurent leurs troupeaux par leur mélopée. Souvent, ils lèvent les yeux vers le ciel et se disent « S'il y a un Dieu au-delà des étoiles qui scintillent, qui est-il ? A-t-il seulement une pensée pour de pauvres gens comme eux ?
Quel est le sort qui les attend dans cet au-delà mystérieux qui leur fait parfois éprouver ce qu'on appelle aujourd'hui l'angoisse métaphysique qui étreint tout homme à un moment de son existence? Pourquoi ce Dieu dont on leur dit qu'il avait parlé par les prophètes d'Israël, pourquoi se dérobe-t-il à leurs yeux? Pourquoi ne déchire-t-il pas la voûte sombre et ne se révèle-t-il pas aux hommes? Tout à coup, une lumière éblouissante resplendit autour d'eux. Terrifiés par l'éclat et la soudaineté de la chose, ils entendent des voix célestes qui leur apportent le plus beau message du monde, dont les paroles m'ont toujours fait vibrer et souvent ému jusqu'aux larmes. Ne craignez rien. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et si je vibre encore aujourd'hui à l'énoncé de ce message, c'est parce que c'est ce message qui a rendu l'espoir à des millions de désespérés, la joie aux attristés, la victoire aux vaincus, le salut aux perdus. Par ce message, Dieu a parlé le langage des hommes. L'insondable s'est fait connaître, l'infini s'est limité dans les mesures humaines. Ce message, c'est la vie même de Dieu démontrée dans la vie d'un homme pareil en nous en toute chose, né de femme, dit la Bible, comme vous et moi. Ce qui fait du message de Noël la bonne nouvelle par excellence, c'est qu'il apporte avec lui un vrai sauveur. Non pas un sauveur qui ne sauverait qu'à moitié, mais qui sauve parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, dit l'Écriture. Il est la bouée de sauvetage de celui qui se noie. Il est le radeau du naufragé. Jésus est le seul moyen de salut, ce qui a fait dire à l'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que sous le ciel, il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Quelqu'un qui n'a pas encore cette assurance en lui demandera « Et que faut-il faire pour être sûr d'être sauvé ?» Cette question capitale a été autrefois posée par un gardien de prison qui, à deux doigts du suicide, a reçu la réponse en ces termes « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et nous savons qu'il l'a été. Ce sauveur en devenir qu'était l'enfant de la crèche a été rejeté par Hérode, repoussé par l'aubergiste et reçu par les bergers qui, le cœur débordant de louanges et rendant ouvertement gloire à Dieu, allèrent raconter ce qu'ils avaient vu et entendu. Trois groupes viennent d'être analysés courtement. Auquel des trois appartenons-nous ? Pour être de celui d'Hérode, il suffit, comme lui, de montrer un certain intérêt pour la chose, mais de la tuer dans l'œuf en décidant de laisser ses bondieuseries pour les autres. Pour être du groupe de l'aubergiste, il suffit, pour ne pas perdre la face, de lui accorder, comme je l'ai dit, une petite place sur le mur en y accrochant un crucifix ou une croix huguenote sur la poitrine ou au revers du veston, ou une Bible de luxe qu'on n'ouvrira jamais, jamais mais bien en vue, dans la bibliothèque, ou en lui réservant une visite de politesse aux trois ou quatre grandes fêtes de l'année, avec, en sous-entendu, « Seigneur, jusque-là, mais pas plus loin ». Cela, vous l'avez compris, ne fera pas plus d'effet que d'aller voir son médecin trois, quatre fois par an, de glisser les ordonnances dans le portefeuille sans jamais chercher ni prendre les médicaments. Pour être du troisième groupe, le bon, le seul, il faut laisser entrer dans votre vie non pas le petit Jésus de légende en sucre ou en mie de pain, mais le Christ de la crèche qui est aussi celui de la croix et de la résurrection, dont je compte bien vous parler une autre fois. Si, en cette période des fêtes de fin d'année, vous deviez vous repentir de vos fautes et recevoir
son pardon par la foi. Alors, comme les bergers, vous loueriez et béniriez Dieu pour son salut, et vous connaîtriez, je vous l'assure, le plus beau Noël de votre vie. Et lève les yeux vers la voûte céleste trouée de mille feux scintillants. Ce sont des mages, moitié astronomes, moitié astrologues, qui dressent les cartes du ciel visible et qui essayent de deviner, d'après la position et le mouvement des étoiles, quel est l'avenir des hommes. Un peu à la façon des gitanes qui prétendent lire l'avenir dans les lignes de la main. D'un côté, il contemplait cette merveilleuse mécanique céleste, œuvre du Créateur, et d'un autre côté, il distillait pour la foule des crédules des messages ambigus qui entraient dans la fabrication de l'horoscope du lendemain. Soudain, leur figure exprime l'étonnement le plus complet. Un astre qu'il n'avait jamais vu auparavant, une étoile différente de toutes les autres, surgit des profondeurs de l'espace. Elle bouscule les lois de l'univers et brille d'un éclat particulier. Quelle est cette étoile? Elle a fait couler beaucoup d'encre, sans que jamais nos savants y apportent une réponse satisfaisante. Elle a gardé son secret malgré 2000 ans de recherche et de supputations. Si les mages ont été les premiers étonnés, il y a aussi de quoi nous étonner, nous, car la Bible nous met en garde contre la tentation de consulter les astrologues. Cela se lit dans le Deutéronome, chapitre 18, des versets 9 à 14. Elle qualifie cela d'un terme très fort, un péché d'abomination. Cette expression n'est pas excessive quand on connaît le côté opportuniste, occulte, mercantile et contradictoire des devins et des astrologues. Or, cette fois-ci, le message est exceptionnellement vrai. Il est conforme à la parole de Dieu. Comment débrouiller cet écheveau? Je n'ai que deux réponses à proposer. La première, c'est que ces chercheurs d'étoiles étendaient leur champ d'investigation dans tous les domaines du savoir et qu'ils avaient accès à des traductions de l'Ancien Testament, parmi lesquelles la célèbre traduction grecque dite des Septante. Or, dans le livre des Nombres, au chapitre 24 et verset 17, une prophétie concernant la venue de Jésus, le Messie roi, disait textuellement ceci: « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. » Ces mages avaient-ils connaissance de cette prophétie? Si oui, on comprend mieux qu'ils se soient mis en route pour la terre d'Israël, en accord avec la prophétie et la direction que leur indiquait l'étoile. La deuxième réponse à cette énigme complète l'autre. Le Nouveau Testament dit que
Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, verset 20. Cela s'est maintes fois vérifié dans l'histoire des hommes, comme dans celle des mages, dans la vôtre, comme dans la mienne. La grâce de Dieu, qui est par définition une faveur imméritée, vient nous chercher là où nous sommes, pour nous extraire de nos égarements, pour nous sortir de la divination, comme pour les mages, des affaires louches, nous sortir des fausses déclarations, de la pornographie, de l'athéisme, de la banalisation du sacré, de la jalousie, d'un fichu caractère, de l'avarice, de l'infidélité conjugale, de la frivolité, de tous ces péchés si bien décrits par Charles Baudelaire. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps, et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leurs vermines. C'est ainsi que la grâce ira chercher non seulement des mages dans leur monde astral, mais aussi un Alexandre Solzhenitsyn au fond de son goulag et de son athéisme, et fera de lui un chrétien engagé. Elle ira chercher le vaniteux Nicolas Fouquet dans la prison à vie où Louis XIV l'a fait jeter, et là il y connaîtra la rédemption. Au procès de Nuremberg, par le ministère d'un aumônier protestant, la grâce de Dieu ira parler dans sa cellule à Wilhelm Keitel, l'orgueilleux maréchal du Troisième Reich, criminel de guerre à qui ni vous ni moi n'aurions accordé le pardon, et sa morgue prussienne sera brisée, et si la sentence sera exécutée, il connaîtra le chemin qui conduit à la confession de ses crimes, à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Plus près de nous, la grâce trouvera le sénateur Colson dans la prison où l'avaient conduit les méandres tortueux du Watergate, et elle fera de lui un homme nouveau, champion de la droiture et témoin de Jésus-Christ. Elle ira chercher cette grâce, elle ira chercher un Nicky Cruz dans le monde de la pègre pour en faire un prédicateur apprécié. Cette grâce ira jusqu'à la croix des condamnés pour dire aux brigands repentants « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et pour revenir au sujet qui nous occupe, la grâce de Dieu rencontrera des devins par métier, des hommes marchant sur les chemins nébuleux de la superstition, abusant les autres, abusés eux-mêmes, et elle les amènera à la crèche de Bethléem, et surtout, elle les fera retourner chez eux par un autre chemin, c'est-à-dire pour un autre genre de vie dont je me propose de vous parler dans un autre épisode. Mais n'anticipons pas. Pour ces mages, un message révélé de façon si remarquable ne pouvait concerner qu'un personnage tout aussi remarquable. Aussi n'hésitèrent-ils pas à entreprendre, avec l'élan moyen de l'époque, le long voyage de la Palestine. Et là, ils vont connaître un second sujet d'étonnement. Puisque la prophétie, en plus d'un astre, parlait d'un sceptre, il s'agissait de la naissance d'un roi. Il était normal d'aller vers la capitale et de frapper à la porte du palais, d'où leur question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Cela eut dans toute la ville l'effet d'une bombe qui explose. Il y avait bien un roi, mais il était vieux. Il y avait bien un héritier, mais il était adulte. Personne ne comprend rien à ce qui arrive, et les mages moins que tout autre. Quelle déconvenue pour ces savants de l'époque! Le message auquel ils ont cru et dans lequel ils ont tant investi était-il faux? Ont-ils fait toute cette route pour rien? C'est peut-être le cas de quelqu'un parmi nous ce soir. Vous aussi, vous avez cru le message de la parole de Dieu. Vous vous êtes mis en voyage avec lui. Bien plus, vous avez coupé les ponts avec votre passé, et peut-être même avec des amis et des membres de la famille qui ne vous comprennent plus. Vous vous êtes mis dans la minorité, et voilà qu'au moment de toucher au but, Dieu vous fait défaut. Déboussolé, vous vous retrouvez comme livré à vous-même.
la réalité semble ne plus correspondre à la confiance que vous aviez mise dans la parole de Dieu. Comme les mages, vous devez affronter des questions qui restent sans réponse, des moqueries à peine voilées, des sourires entendus, des « tu diras bonjour à ton petit Jésus de ma part » ou pire encore, « il faut revoir ta copie ». Que vont faire ces mages? Vont-ils rentrer chez eux la tête basse? Au contraire, ils font ce que chacun de nous doit faire dans des moments difficiles. Ils relèvent la tête et Dieu honore leur foi un instant ébranlée. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient leur apparaît de nouveau. Elle se met à leur portée. Elle est là, toute proche. Elle avance à vitesse réduite, à leur vitesse à eux. Ils peuvent la suivre. Elle les mène vers leur troisième étonnement. Ils sortent de la capitale, ils sont à découvert dans la campagne proche, et l'étoile avance toujours, puis s'arrête au-dessus des dépendances d'une hôtellerie. Quelle aventure! Où cela va-t-il les conduire? Dans une étable. Et dans cette étable, ils voient un humble artisan charpentier avec son épouse qui vient d'accoucher, et un nouveau-né, emmailloté dans une mangeoire à bétail parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est maintenant au tour de Marie et de Joseph d'être étonnés. L'arrivée inattendue des mages dans l'étable a dû les surprendre, mais la suite a dû les étonner plus encore. Ces voyageurs inconnus ouvrent leurs bagages et avec toutes les marques de l'adoration, il dépose devant le nouveau-né trois présents. Quel est ce petit enfant et sa destinée? Trois mots vont nous dire la vie, l'œuvre et la personne de Jésus. De l'or, de l'encens, de la myrrhe. Trois présents qui à eux seuls vont tout expliquer. D'abord l'or. L'or, c'est le métal précieux dont sont faites les couronnes qui ornent la tête des rois. Et en déposant cet or, ces mages saluent en cet enfant le roi des rois et le seigneur des seigneurs, celui qui règnera sur l'univers, devant qui tous les genoux ploieront des êtres célestes, terrestres et infernaux, celui dont un brigand crucifié reconnaîtra la royauté universelle en disant « Souviens-toi de moi quand ?»« Quand tu viendras dans ton règne. » Comme les mages, il avait lui aussi trouvé et salué son roi. La question nous est posée à chacun. Jésus est-il le roi de ma vie ? Suis-je son sujet? Lui ai-je voué obéissance? 1. De l'or. 2. De l'encens. À qui offre-t-on l'encens sinon à la divinité? En offrant ainsi leur parfum à ce nouveau-né, les mages saluaient en lui le grand Dieu créateur des cieux et de la terre, qui venait naître comme un homme, qui allait vivre comme un homme, et quelque 33 ans plus tard, allait mourir comme un brigand pour sauver le dernier des hommes. C'est le Dieu incarné qu'ils adorèrent par ce présent. En cela, ils rejoignent les anges du ciel dont il est dit en Hébreux 2, verset 6, que les anges de Dieu l'adorent. Ils donneront l'exemple au disciple Thomas, qui en voyant ses mains, les mains percées de Jésus, dira avec eux « Mon Seigneur et mon Dieu ». Avec eux, mon âme s'incline devant le Jésus de l'Évangile, en qui je crois, et je dis à mon tour que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Dieu. Pouvez-vous aussi dire qu'il est votre Dieu, que vous l'adorez, que vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces et de toutes vos pensées? De l'or, de l'encens, et troisièmement, la myrrhe. Quel était l'usage de la myrrhe? Elle servait à l'embaumement des morts. Et en ouvrant leur trésor, ces mages annonçaient d'avance non seulement le Christ roi et l'homme Dieu, mais
l'homme de souffrance dont avait parlé le prophète Ésaïe. C'est ainsi qu'en adorant le petit enfant, il voyait déjà se profiler sur lui l'ombre sinistre de la mort. La mire veut donc dire que la crèche s'achève par la croix. Une histoire qui ne va pas jusqu'au bout d'elle-même reste inachevée. Un pont qui n'enjambe que la moitié d'une rivière ne permet pas de passer d'une rive à l'autre. De même, la vérité de la crèche est tronquée si elle ne nous conduit pas à la repentance de la croix. La crèche à elle seule ne peut pas nous sauver, même si on y croit. Les merveillements de l'une doivent nous conduire au brisement de l'autre. Dans la crèche, c'est notre nature qu'il prend. À la croix, ce sont nos péchés qu'il porte. La crèche amène Dieu aux hommes. La croix amène les hommes à Dieu. C'est devant le crucifié qu'il faut faire son mea culpa. C'est à lui qu'il faut apporter sa mire et dire comme le brigand repentant, « Pour nous, c'est justice, nous recevons la condamnation que nos péchés ont méritée, mais celui-ci n'a rien fait qu'il se dût faire. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, et c'est de lui le futur juge de l'univers que viendra l'acquittement en ces termes que chacun de nous peut s'approprier par la foi. » Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. De l'or, de l'encens, de la myrrhe. Pas familière, leur avait fait savoir qu'un roi allait naître en Israël, fait confirmé par la prophétie faite 15 siècles plus tôt par Balaam. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Ils entreprirent le long voyage qui devait les amener à Jérusalem. Là, ils furent un instant décontenancés par la tournure que prenaient les événements. En se rendant au palais, ils n'avaient pas frappé à la bonne porte. La prophétie et l'étoile les avaient-elles conduits sur une fausse piste? Leur désarroi fut heureusement de courte durée. À leur sortie du palais, ils revirent la même étoile qu'ils avaient vue en Orient, et comme elle avançait, ils se mirent à la suivre. Ce qu'il nous faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que les mages qui suivent une étoile. Tout le monde, ou presque, suit son étoile, que nous pouvons appeler son idéal. L'idéal de tout homme va devant lui, comme l'étoile allait devant les mages. Les hommes vont à la suite ou à la poursuite d'un idéal vers lequel tendent tous leurs efforts. Cet idéal peut avoir plusieurs noms. Il y a l'idéal du poète, qui poursuit la muse de l'inspiration, qui le conduira à écrire un chef-d'œuvre littéraire ou le livret d'un opéra célèbre. Il y a l'idéal du musicien, qui travaille à la composition sublime de sa vie, qui lui vaudra l'aisance et la renommée. Il y a l'idéal du savant qui, dans son laboratoire, cherche sans relâche la solution de quelques grands problèmes scientifiques.
Il y a l'idéal du travailleur qui aspire à passer cadre ou personnel de maîtrise, et en tout cas à exercer un métier mieux rémunéré, mieux adapté et mieux sécurisé. Il y a l'idéal du tiers-mondiste qui traverse les déserts et les mers au péril de sa vie, à la suite d'une étoile censée le conduire au paradis européen ou américain. Il y a l'idéal du sociologue qui œuvre à promouvoir des lois qui donneront à tous la sécurité de l'emploi, la protection sociale, le bien-être universel. Il y a l'idéal du philosophe en quête du bien et du beau. Il y a l'idéal du politicien qui plaide pour l'instauration d'un équilibre mondial stable au sein de courants de pensée et d'opinions variées. Il y a l'idéal du militaire qui vise le coup d'éclat héroïque qui lui vaudra l'avancement et la gloire. Il y a l'étoile de l'adolescent, du jeune homme ou de la jeune fille qui rêve du grand amour, et d'un idéal sur lequel il ne peut pas encore mettre un nom ou donner une forme. Il y a l'idéal de la ménagère, de la mère de famille qui gère au mieux des fins de mois parfois difficiles et qui souhaite atteindre l'équilibre budgétaire et familial. Il y a l'idéal de la jeunesse en général, dont l'étoile brille au firmament des plaisirs, des sports, des records à battre, du gros lot à gagner, des conquêtes à engranger, des voyages à entreprendre, du monde à découvrir. Et l'étoile continue sa route sans jamais s'arrêter, draguant derrière elle des multitudes qu'elle laisse à leur désillusion. Rares sont ceux qui ont eu la réalisation de l'idéal qu'ils poursuivaient. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et parmi ces rares privilégiés, que de déceptions encore. L'astre qui brillait si fort au firmament de l'espérance s'éternit. On le croyait en or ou en argent. C'était du clinquant, il n'était qu'en fer blanc. L'étoile de Noël, à la différence des autres, elle ne fuit pas sans cesse. Elle conduit à Bethléem, puis s'arrête là où repose l'enfant dont elle annonçait la naissance. Cet idéal s'est matérialisé dans l'incarnation du Fils de Dieu. Dieu fait homme pour le salut des hommes, voilà la concrétisation de nos aspirations. Cela veut dire que pour nous qui avons cru, nous ne nous évadons pas dans des utopies chimères qui ne donnent que des lendemains qui déchantent. Nous nous penchons sur la réalité de la venue du Fils de Dieu dans le monde des hommes perdus. Nos aspirations les plus élevées ont trouvé leur réalisation dans la personne de Jésus-Christ. Nous soupirions après un Dieu qu'on pouvait enfin voir et comprendre, et voici qu'il a été vu, touché, entendu, compris, et qu'il nous a aussi vu, touché, entendu et compris. Nos aspirations à la vraie paix intérieure ont été comblées au-delà de nos espérances. Il est non seulement le prince de la paix dans sa personne, mais il a fait pour nous la paix avec Dieu par le sang de sa croix. Et cette paix, il nous la transmet et nous la laisse en permanence. Cette troublante pensée de l'éternité que Dieu a mise en nous, cet idéal d'éternité, s'est trouvé expliqué par Jésus qui a mis la vie et l'immortalité en évidence par sa résurrection. Notre poursuite d'une certitude de salut qu'on dit inaccessible à l'homme est au contraire devenue parfaitement possible. Parce qu'ici encore, la Bible dit qu'il nous a acquis, ces chaussettes, il nous a acquis une rédemption éternelle. Nos aspirations à une pleine sécurité ont été comblées parce que la Bible affirme que rien désormais ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Et il est précisé rien en des termes que je rapporte ici. Ni la mort, ni la vie.
ni ange ni domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni hauteur, ni profondeur, rien. Et enfin cet idéal de beau, de bien, de bon, de noble, que tout homme normal porte en lui, a trouvé une inestimable source d'enrichissement en Jésus-Christ, car la Bible dit que lui qui était riche, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Il est venu donner de l'expansion à nos sentiments, tandis qu'il enchaînait la bête qui sommeille ou qui rugissait en nous. Je ne sais pas quel idéal vous poursuivez. Votre dignité d'homme vous donne le droit d'en avoir une. Je ne sais pas quel est le vôtre. Je ne sais pas s'il est profane ou sacré, s'il est noble ou vulgaire, s'il est réaliste ou chimérique. Mais je sais que j'en avais un et qu'il m'a déçu. Lorsque j'étais jeune, l'étoile de mon firmament moral s'appelait Cyrano de Bergerac. Je disais avec lui, « Je veux être admirable en tout et pour tout. » Ou encore, « Passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre. » Et encore, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Je croyais que cela était noble, généreux, élevé, mais le malheur c'est que moi, je ne l'étais pas, et que malgré tous mes efforts, je butais sur ces beaux principes, et chaque chute me séparait un peu plus de l'idéal que je poursuivais. Ma belle étoile continuait sa route, sans moi. Le fossé qui me séparait d'elle se creusait à la vitesse grand V. Il suffisait de si peu de choses pour la voir chaque fois s'éloigner un peu plus de moi. Selon le cas ou selon les cas, il suffit de perdre la maîtrise de soi, son self-control, comme on dit aujourd'hui, de céder à un moment d'humeur, de laisser échapper des mots que l'on regrette, d'écorcher la vérité, de gonfler les chiffres, de donner en douce un coup de canif dans le contrat de mariage, et voilà votre bel idéal qui se transforme en étoile filante. Pour peu que l'on ait encore une âme sensible et une conscience délicate, il suffit de poser un regard appuyé là où il ne faudrait pas, d'entretenir des rancunes tenaces, de couver des mauvais sentiments, de jalouser les succès d'un ami ou de souhaiter dans son cœur l'échec à un autre. Oh bien sûr, ces choses-là ne se voient pas. Elles sont du domaine caché de la conscience, mais elles laissent dans l'âme des traces qui ne s'effacent pas. Et nos bonnes résolutions du nouvel an n'y changent rien. Elle ne nous ramène pas notre étoile, qui prend alors des allures de comète. Mais, dira quelqu'un, cette étoile de Bethléem dont vous nous parlez, n'est-elle pas, elle aussi, inaccessible à notre condition de pauvre pécheur? Vous dites que ce Jésus idéal a été fait semblable à nous en toutes choses jusque dans sa naissance, mais n'est-il pas ajouté, semblable à nous hormis le péché. La distance morale qui nous sépare de lui ne pourra jamais être comblée. L'idéal chrétien n'est-il pas aussi utopique que les autres? Pour répondre à cette question, il y a trois choses que nous devons savoir. La première, c'est que contrairement à nos idéaux humains, l'étoile dont il est question ici n'a pas indéfiniment poursuivi son chemin, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée sur le lieu où était Jésus. La deuxième chose, c'est que nous ne croyons pas seulement en un Christ historique insaisissable dont les origines, l'histoire et l'action se perdent dans la nuit des temps. Au contraire, nous avons affaire à un Christ vivant, un Jésus,
que je peux atteindre, saisir par la foi, à qui je peux parler aujourd'hui, qui m'entend et qui peut me répondre, me toucher, me pénétrer et surtout venir habiter en moi par le Saint-Esprit. La troisième chose, c'est que Dieu, en nous faisant grâce pour tous nos péchés, dit qu'il a placé, qu'il nous a placés en Christ, et je souligne, en Christ. Cela veut dire qu'il nous immerge dans la vie de son Fils et met à notre disposition une énergie prodigieuse pour vivre une autre qualité de vie. Je m'en explique par une illustration. Il y a quelque temps, je suis allé au Congo en avion. C'était précisément la période de Noël. L'évocation de l'événement était bien différente de chez nous. C'était Noël sous les cocotiers. Ni neige, ni sapin, ni guirlande, mais des milliers de personnes assises sur des troncs d'arbres et chantant de tout leur cœur en swahili la naissance du Sauveur du monde. Moi-même, à l'ombre, sous un toit improvisé en feuilles de bananier, j'ai expliqué à ces foules africaines comment on pouvait s'emparer de la puissance de Christ pour vivre une vie nouvelle et vaincre le péché. Je leur ai raconté que dans mon adolescence, lors des épreuves sportives, je ne sautais guère plus haut que 1m10. Mais que, en venant chez eux, j'avais réussi un bond de 11 000 mètres de haut. Ils me regardaient avec des yeux ronds. Je leur ai dit que je n'avais fait aucun effort particulier pour arriver à ce résultat. Je m'étais tout simplement installé dans un DC-10 et que d'un seul coup, j'avais sauté la distance de Bruxelles à Nairobi au Kenya. Je n'étais pour rien dans cet exploit. J'avais tout simplement emprunté la poussée des réacteurs de l'avion. Et c'est ce que dit la Bible. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par le moyen des œuvres afin que personne ne se glorifie. Et de même, pour décoller des passions et des péchés qui nous dominent, nous n'avons qu'à nous installer par la foi dans les promesses de Dieu et les victoires déjà remportées par le Seigneur. N'est-il pas écrit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ? Il nous arrache à la force d'attraction de l'enfer et nous met sur l'orbite du salut. Les choses changent. Et la preuve, c'est qu'après avoir adoré Jésus, les mages sont repartis par un autre chemin. Ils ont pris une toute autre route. Ils ont commencé à expérimenter pour eux-mêmes ce que la Bible affirme. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Un nouvel idéal, qui est Jésus lui-même, s'empare de la personne qui se donne à lui. Il le pardonne d'abord, puis le subjugue, le pénètre, lui insuffle une nouvelle énergie, lui ouvre de nouveaux horizons, et comme je l'ai dit dans une autre occasion, il met une nouvelle souplesse dans votre marche et une nouvelle émotion dans votre âme. Rapporté qu'un couple de gens aisés qui,
après plusieurs années de mariage, n'avait toujours pas d'héritier. Mais un jour, l'épouse se trouva en espérance. Tout le monde se réjouit à l'idée de cet heureux événement. Et vint enfin le jour où elle donna naissance à un fils. Quelque temps après, les parents firent une grande fête à laquelle de très nombreux amis furent conviés. C'était l'hiver, et le porte-manteau n'y suffisant plus, les vêtements furent déposés dans une chambre attenante au vestibule. Pendant le repas, un des invités prit la parole et dit « Nous remercions nos hôtes de nous avoir invités pour cette grande occasion, mais maintenant, est-ce qu'on pourrait voir l'héritier ?» La mère, tout heureuse, alla chercher le bébé dans son berceau, mais quel ne fut pas son étonnement de ne pas l'y trouver. Une servante engagée pour l'occasion, à qui on demanda où était l'enfant, elle répondit que, comme il pleurait, elle l'avait changé de chambre et l'avait mis dans le lit des parents. Et là, on trouva le bébé, étouffé sous un amoncellement de vêtements. Pendant qu'on faisait la fête, on étouffait l'enfant. Ne pensez-vous pas que c'est encore ce qui se passe aujourd'hui? Le grand jour anniversaire de Noël éclipse et étouffe celui dont c'est l'anniversaire. En cette période de l'année, que d'illumination, de vitrines alléchantes, que de victuailles proposées à nos papilles, que de couleurs chatoyantes, quel ravissement pour les yeux. Partout la fête bat son plein, partout des guirlandes, des banderoles, des boules bariolées, partout des sapins, des étoiles, des crèches, des miniatures, des santons de Provence, des mélodies évocatrices de la grande fête chrétienne, partout des vendeurs, des acheteurs emportant des paquets cadeaux emballés avec soin, rentrant frileusement chez eux pour y trouver la douceur du réveillon en famille et l'odeur des fumées alléchantes, Noël a grandi assurément. Si un cataclysme s'abattait soudain sur notre Occident, figeant notre civilisation dans l'immobilité éternelle, et que dans 10 ou 20 siècles, des archéologues exhumaient des décombres ce qui se fait dans ces journées de fête, ne dirait-il pas devant ces vestiges retrouvés que ces gens étaient pieux? Comme Dieu devait être bien servi, comme on devait s'aimer dans ces temps-là, comme ils devaient faire bon vivre, comme ils étaient heureux. Nous qui vivons aujourd'hui, nous savons que tout cela, ce n'est que façade. Ceux qui sont seuls vivent en cette période de Noël, la pire semaine de l'année. Les plus lucides font un maximum d'heures supplémentaires pour oublier qu'ils sont plus seuls que jamais. D'autres boivent jusqu'à plus soif pour s'étourdir et oublier. Pour la majorité, Noël est devenu tellement grand qu'il cache presque tout entier un Christ devenu tout petit ou invisible. Qu'est-ce que Noël pour beaucoup? Un jour férié en plus? Une fête chômée, comme on dit en jargon technique, c'est le départ des vacances et les sports d'hiver. C'est la trêve des confiseurs. C'est, au mieux, le service de minuit qu'on suit à la télé pour entendre « Minuit, chrétien, c'est l'heure solennelle, mélodie que l'on n'écouterait pas si la musique était moins belle. » Avec ce Noël de parade célébré à la manière des hommes, jamais je ne connaîtrai le vrai Dieu. Qui est Dieu, me demanderez-vous? Regardez à Jésus, répond la Bible, et vous connaîtrez qui il est. N'a-t-il pas dit, celui qui m'a vu, a vu le Père? C'est un Dieu qui s'intéresse aux hommes que nous sommes, car en Christ, Dieu est venu naître comme un homme pour vivre au milieu des hommes, au cœur de leurs circonstances, de leurs problèmes, de leurs péchés. C'est un Dieu qui est humble, au point de s'abaisser jusqu'à naître dans une condition plus humble que le plus humble des hommes. C'est un Dieu
qui veut partager avec les hommes sa gloire et ses richesses, car en Christ, il s'est dépouillé jusqu'à la limite du dépouillement. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis, est-il écrit. Et ainsi, au travers du vrai Jésus, celui des Écritures, nous voyons non seulement ce que Dieu est, mais par réflexion, comme dans un miroir, nous voyons tout ce que nous ne sommes pas, tout ce qui manque à notre vie. La lumière de ses perfections projette un éclairage dérangeant sur nos failles, nos lacunes, nos insuffisances morales, en un mot commençant sur nos péchés. Mais la découverte de notre pauvre et misérable moi a l'avantage de nous faire éprouver le besoin d'un sauveur. Or, c'est précisément cela qu'ont annoncé les anges. Voici, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Car si, dans les plaines de Bethléem, le ciel s'est ouvert pour saluer sa naissance, le même ciel s'est fermé au-dessus de sa tête à Golgotha. Le rendez-vous de Noël nous conduit au rendez-vous de la croix. Non pas la croix que l'on porte au cou comme un talisman ou un bijou de famille, ni la croix des calvaires qui se dresse solitaire le long des routes, mais à celle qui a été dressée pour lui hors des murs de sa ville et où il a été cloué comme l'étaient les criminels, et pour bien montrer ce qu'on pensait de lui, on l'a mis entre deux brigands pour qu'il fasse le troisième. C'est là, dans sa dure et tragique réalité, que s'achève le conte de Noël. Les prophètes qui avaient annoncé sa naissance se devaient d'annoncer et de décrire sa mort. Et ils l'ont fait de façon si descriptive qu'il est impossible de se méprendre quant à l'authenticité des récits qui nous sont rapportés. À la mangeoire de Bethléem répondent les « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Ils tirent au sort ma tunique, ils m'abreuvent de vinaigre, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les vagissements du nouveau-né s'achèvent par le « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» du supplicié de Golgotha. Et ce grand « pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui traverse les siècles trouve sa réponse dans la voix des prophètes qui, après avoir si clairement annoncé sa naissance miraculeuse, nous ont donné l'explication de sa mort que l'on trouve tout au long du chapitre 53 d'Ésaïe, dont je tire quelques extraits. Il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, il s'est livré à la mort pour nous. La somme de toutes ces prophéties veut dire qu'à notre place il portait à la fois nos péchés et le jugement qui devait nous atteindre. Ayant ainsi satisfait à la justice éternelle qui réclame la mort pour le péché, Dieu pouvait pardonner aux brigands qui mouraient repentants. Et il pouvait lui dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Si par sa vie Jésus nous faisait connaître le ciel, par sa mort expiatoire, il nous ouvrait le ciel. Je termine cette revue de Noël avec la lecture d'un article dont l'auteur m'est inconnu et qui s'intitule « Le Christ incomparable ». Il est venu de Dieu. Il est miraculeusement né d'une humble femme. Sa naissance est un fait qui confond la raison des sages et dont aucun savant sous le soleil n'a jamais pénétré le secret. Il a revêtu la nature humaine afin de pouvoir racheter l'espèce humaine. Il est devenu fils de l'homme afin que nous devenions enfants de Dieu. Il a vécu dans la pauvreté, grandi dans l'obscurité.
Une fois seulement, dans sa jeunesse, il a franchi la frontière de sa petite patrie. Il n'a pas eu l'avantage d'une haute instruction ou d'une éducation distinguée, sa famille étant sans fortune et sans influence, et pourtant, petit enfant, il a été un sujet de terreur pour un roi. Jeune garçon, il a étonné et embarrassé les docteurs. Dans l'âge mûr, il a commandé à la nature, marché sur les eaux, ordonné à la mer de s'apaiser, rendu la santé du corps à des multitudes, ressuscité des morts par le seul pouvoir de sa parole. Il n'a jamais écrit un livre, et cependant aucune bibliothèque ne pourrait contenir les livres qui ont été écrits à son sujet. Il n'a jamais composé un cantique, et pourtant les mélodies dont il est aujourd'hui le thème sont plus nombreuses que celles de tous les compositeurs réunis. Il n'a jamais fondé une école, et pourtant toutes les universités du monde ne pourraient se vanter d'avoir rassemblé autant de disciples. Il n'a jamais appris ni exercé la médecine. Mais qui donc pourrait dire le nombre des cœurs brisés par la souffrance qui, depuis 20 siècles, ont trouvé auprès de lui la guérison? Il n'a jamais commandé une armée, ni enrôlé un soldat, ni manié une arme, et pourtant aucun chef n'a levé plus de volontaires. Et de par le monde entier, des rebelles ont déposé les armes de la révolte et soumis leur volonté à la sienne, sans une parole de sommation de sa part, sans un geste de violence, par les seules armes de la douceur. Il a changé son vêtement de pourpre royale pour la tenue de l'humble artisan. Il était riche, et par amour pour nous, il s'est fait pauvre. Et combien pauvre ? Demandez-le à Marie. Demandez-le aux bergers et aux mages. Il a dormi dans la crèche d'un autre. Il a traversé le lac dans la barque d'un autre. Il a fait son entrée à Jérusalem le jour des rameaux sur l'âne d'un autre. Il a été crucifié sur la croix d'un autre. Il a été enseveli dans la tombe d'un autre. De grands hommes ont paru et sont tombés dans l'oubli. Lui seul ne passe pas. Hérode n'a pas pu le tuer. Satan n'a pas pu faire obstacle à son œuvre. La mort n'a pas été capable de le détruire, ni le tombeau de le retenir sous sa puissance. Il est le Christ incomparable, l'admirable, annoncé par la voix du prophète dès les temps anciens. Sa personne est le grand miracle de l'histoire de la race humaine. Sur son visage d'homme rayonne la gloire éternelle du Très-Haut. Sur la croix des esclaves et des criminels, il est mort pour l'amour de ton âme égarée. Il est mort d'une mort horrible et pleine d'angoisse, écrasé sous le poids affreux de ton péché. Patiemment, année après année, sur le sentier du doute où tu fuyais ses pas, son cœur fidèle t'a cherché et tu ne le savais pas. Maintenant sa voix te parle. Ouvre ton cœur. Ne tarde pas. Il a souffert la mort pour te donner la vie. Aujourd'hui, il voudrait t'entendre l'appeler mon sauveur. Thank you.
CD que vous venez d'écouter a été conçu exprès à votre intention. Les textes sont de Fernand Legrand et c'est lui-même qui les a déclamés. La musique, interprétée d'une manière originale sur des thèmes connus, a été exécutée par François-Régis Jeannot. La prise de son, le mixage et le montage ont été faits par Serge Buzacaro. L'ensemble de cette œuvre a été composé sous le regard du Christ, avec beaucoup d'amour. L'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. L'amour que nous avons pour vous. J'ai vu comment Bombay se construit dans sa richesse et son économie. Alors que l'Inde suit, allons-nous agir, frère? Africa, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira? Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là, battant les bras. Africa, je me demande souvent, si cette main n'est qu'une malédiction. Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là à tendre les bras. Oh 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 oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Oh 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 oh, yeah, yeah. C'est l'héritage de nos pères, la terre de nos mères, fierté africaine.
lay it all down again. You were my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. Help me find